Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons traiter d'une actualité qui est essentiellement politique, vous le savez, avec les interventions notamment du président de la République à la télévision. Et pour en parler, Alain Gournac, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur honoraire, vous étiez sénateur des Yvelines. Ancien sénateur, voilà. Vous avez beaucoup combattu, notamment dans vos mandats, pour l'égalité homme-femme. Absolument. C'était un des... 12 ans de combat. Voilà, 12 ans de combat là-dessus. À côté de vous, Anne-Charlène Bézina. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous enseignez le droit public, droit constitutionnel aussi, à l'Université de Rouen. Florence Mercadet, bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Bonjour Patrice. Et vous êtes en grève peut-être, non? Il y a pas aujourd'hui. Des avocats qui sont en grève. Hein. Pas aujourd'hui, avant-hier. Et Jean-Charles Lajoigny qui fait partie de la Corporation des éditeurs qui ne sont pas en grève. Donc. Voilà, absolument. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer peut-être avec ce qu'on pourrait appeler la stratégie de communication du président de la République. Il y a deux interventions. Il y en a une jeudi aux 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Il y en a une dimanche... face à Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Donc deux stratégies très différentes. Peut-être avant d'aborder ce qui a été dit jeudi, comment on peut expliquer ces deux stratégies aussi différentes et aussi rapprochées? C'est assez rare une communication comme ça, deux communications de suite d'un président de la République. Moi, personnellement, je suis très étonné pour les communicants qui lui disent de faire deux télés quand on n'a pas vu et qu'il ne voulait pas se mettre devant. Oui. C'est plus respectable. En plus, hein, pas critique, mais une analyse. Rare, en plus. Il ne parle pas, il envoie son Premier ministre, il envoie ses ministres et il fait un constat vis-à-vis de son Premier ministre que la communication n'est pas bonne, sortant de leur bouche. Et donc, alors, il aurait fait hier, bon, le président de la République, non, mais qu'il fasse deux interventions, je trouve ça étonnant et en pur communicant, oui. Je trouve que c'est trop rapproché et c'est trop d'un seul coup. Ça fait un peu panique, les choses vont pas bien, alors... il faut occuper le terrain. Moi, c'est mon avis. Bon. Et en plus, mais alors, là où c'est assez étrange... parce qu'on pourrait en effet se dire, ah ben, ils avaient prévu l'intervention sur TF1, et puis après ils se sont dit, ah ben c'est pas assez bien, il faut en faire une autre. Mais on peut pas considérer ça, je pense, de la part du pouvoir. Je veux dire, tout ça est calculé, il me semble pas que c'est il me semble pas que ça soit de l'improvisation. Mais justement, moi je trouve que ça paraît tout à fait intelligent, parce que le choix des deux journalistes, que ce soit Jean-Pierre Pernaut et Bourdin, c'est pas du tout deux stratégies de communication, c'est quand même à peu près la même cible sur des choses différentes. Je veux dire, Bourdin comme Jean-Pierre Pernaut sont les deux journalistes les plus vilipendés, les plus critiqués par l'intelligentsia parisienne, par les autres journalistes. On écoute toutes les chaînes de radio, ils sont toujours là à critiquer Pernaut, à critiquer Bourdin, alors que ces deux types, qui ont probablement des défauts et aussi beaucoup de qualités, mais qui parlent franchement à ce qu'on peut appeler la France profonde, mais j'aime pas tellement ça, mais Pernaut, oui, c'est un journaliste... – Oui, on les a traités l'un et l'autre de journalistes populistes. – Voilà, enfin, populaire ou populiste, oui, etc. Si, enfin, et donc, c'est une très bonne idée de la part de Macron de dire, ok, là, je vais pas aller sur France Inter un matin, je vais pas aller chez les intellectuels, je vais pas chez les penseurs, je vais pas chez les maîtres... – Oui, il n'y a pas le service public. – Non, d'abord, il y a pour les raisons qu'on sait, mais surtout, c'est une très très bonne idée... C'est une très bonne idée d'avoir choisi ces deux personnes. Le journal de Jean-Pierre Pernaut à 13h. Edoui Plenel, je pense, c'est juste un tout petit truc un peu pour contrebalancer. Et en plus, mais j'ai peut-être pas très bien compris, mais est-ce que Bourdin et Plenel seront ensemble? Oui. Parce que si Bourdin et Plenel sont ensemble, c'est comme si Plenel n'était pas là. Je pense que Bourdin, elle va écraser tout. Je suis pas sûr que ça ne soit pas le contraire. On verra. Peut-être le contraire. Oui. Je ne pense pas, parce que Plenel va s'énerver tout de suite. Va être dans, alors que je parierais sur Bourdin, grand vainqueur. Et puis ensuite, c'était une promesse, de campagne électorale. Hein, Macron avait dit, je donnerai un interview à Bourdin et à Plenel. Donc, il a dit, je respecte mes promesses. Voilà, donc, c'est une promesse.
une promesse pendant la campagne. Ce n'était pas une promesse électorale. Il n'a pas promis si je suis élu. Il a dit, voilà, quand je, si je suis élu, effectivement, je donnerai. Sur cette stratégie, vous avez... Moi, je crois que ce qui est recherché, à mon avis, par Emmanuel Macron, c'est cette idée de viser tous les publics. Il y a vraiment quelque chose d'absolument universaliste dans cette vocation, c'est-à-dire, je vais faire une première communication... à la papa, avec quelque chose un peu rassurant à la campagne, dans un service public, en visant un public 13 heures, où du coup je vais pouvoir avoir du monde. Et je vais viser, c'est même comme ça que c'est présenté d'ailleurs, que l'interview sur le site même de BFM et des radios et des télés qui vont être présentes pour dimanche, c'est les jeunes actifs, c'est le côté un petit peu plus jeune, le côté un petit peu plus contestataire avec Mediapart. Et donc finalement on a le choix de deux médias, de deux créneaux qui sont complètement différents, pour essayer aussi de montrer que Emmanuel Macron n'est pas le fameux président des villes, n'est pas le technocrate qu'on craint. Et moi, je crois que justement, on parie sur le fait de taper le plus large possible pour essayer d'avoir un panel. Mais ça ne répond pas à la question que posait Alain Gourdat, qui est pourquoi aussi rapprocher. Parce que qu'il pouvait le faire un mois. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a tellement de fractures là en ce moment et de crises et de grèves dans différents métiers. Alors que ce soit la justice, parce que ce n'est pas que la corporation des avocats, hein, c'est magistrats, greffiers, avocats, donc il y a ce mouvement-là au niveau de la justice, il y a un mouvement au niveau des jeunes, et ça les politiques et l'exécutif craint beaucoup les mouvements des jeunes, notamment au niveau des universités, il y a des grèves SNCF, etc. Et donc je pense qu'il faut qu'il arrive à couvrir effectivement un panel le plus large possible, et probablement que ça a cette stratégie de dire on en fait un à 13h où il y a une population particulière et on en fait un le dimanche soir, de manière rapprochée par rapport à des crises qui sont très rapprochées en ce moment. C'est un peu comme ça moi que je l'explique. Oui. Après c'est vrai que ça n'explique pas forcément le rapprochement. Le rapprochement et un président qui avait dit qu'il devrait Et ça donne l'image, je suis un peu d'accord avec vous, ça donne l'image, ça veut donner une image rassurante. Et au contraire, ça pourrait prouver que le pouvoir est en train de paniquer. Au contraire, ça rassure. Moi, je suis content de voir qu'il y a quand même quelqu'un qui tient la barque, qui mène la barque. On va parler du fond, mais... Non, mais sur cette stratégie de communication, c'est quand même bien que le président de la République, à l'heure où, la France est complètement immobilisée par des escouades de cheminots dont on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, etc., et que là, il y a quand même quelqu'un qui intervienne, qui dit « Ok, là, C'est vrai que c'est peut-être une défiance vis-à-vis de ceux qui parlent d'habitude, c'est-à-dire du Premier ministre, c'est-à-dire des ministres concernés. Le président de la République, il faut quand même qu'on le voie et qu'on l'entende. Il a été élu, c'est le président de tous les Français. Je vois rien de choquant au fait qu'il intervienne. Il n'intervient pas tout le temps. C'est le moment. On parle du moment et du rapprochement entre les deux. Public a le droit de s'exprimer. Bien sûr. Mais après qu'il fasse Pernaud puis Bourdin, comme ça, il aura touché en une semaine un peu la totalité d'une certaine cible et c'est très bien. Parce qu'Edoui Plenel, il entraîne. Il amène des gens à écouter Macron. Jean-Charles n'a pas une passion, évidemment. Je comprends que vous ayez peut-être pas. Moi j'aime bien, mais il va entraîner, des gens vont venir écouter Macron parce qu'il y a Edoui Plenel. Et s'il n'y avait pas eu Plenel, il ne l'aurait pas écouté. Face à face attendu, quand même. Ah, bah oui. C'est courageux, d'ailleurs, de la part d'un président de la République, qui choisit. Après tout, c'est parce que ça, pour le coup, ça n'a pas changé. C'est toujours l'Élysée, le président de la République, qui choisit les journalistes qui l'interviewent. Bien sûr. Oui, mais quand il était. Ça a toujours été. Ça a toujours été. On ne veut pas le critiquer, ça. Non. Ça a toujours été. Quand il avait été candidat, il avait eu un face-à-face avec Edoui Plenel de 3 heures. Oui, sur Mediapart, qui avait été d'ailleurs très passionnant. Et ça s'était plutôt bien passé entre eux. Et puis c'est le choix d'un certain journalisme, un journaliste d'investigation que Mediapart a lancé. Et qui fait partie de choses qui... Je crois que le président a envie de montrer qu'il n'a pas peur aussi, un petit peu, de ce type de... Et on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être des sujets qui n'ont pas été abordés avec Jean-Pierre Pernaud, qui seront abordés. Je pense à la laïcité, qui est un des chevals de... On va d'ailleurs en parler des deux. Revenons peut-être à cette première intervention. Au fond, on pourrait dire que le thème principal, c'est « je ne céderai pas ». Je fais ce que j'ai dit, j'ai annoncé ce que je faisais. Et je vais jusqu'au bout. C'est ça. Puis,
d'une part, il n'a pas cédé. C'est un peu, enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, c'est ce que j'attendais. J'étais un peu paniqué à l'idée que, comme beaucoup d'hommes politiques depuis 40 ans, à chaque fois que. Non, mais c'est à chaque fois, on se dit, ça y est, OK, il prend la parole, il va dire, j'ai compris le malheur des cheminots, etc. On va se remettre autour de la table, et puis on verra. Et la réforme, on la fera dans 10 ans quand on sera d'accord. Donc là, pas du tout. Et donc, ça, c'est extrêmement rassurant de voir qu'on a quelqu'un qui tient le. Qui mène les opérations. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il était assez didactique, et c'était très bien, vu la cible, sur l'histoire de la CSG, pour les retraités. C'est un discours extrêmement clair, pas de langue de bois, et puis on avait l'impression, enfin moi, il m'a donné l'impression de quelqu'un qui sait parfaitement où il va, ce qu'il veut faire, et qui dit, j'ai pas l'intention de m'arrêter, ok, on fait des réformes, on est là, on reconstruit la maison, et je trouve ça plutôt bien. Donc sur le fond, c'est vrai, il n'y a pas eu de grande annonce, mais c'est justement ce qui m'a rassuré, c'est que j'avais peur qu'il y ait une annonce en disant on va céder. Ben non, donc pas d'annonce, et ben tant mieux. Donc pas de reculade et pas de. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'ailleurs de dire ce qu'il a dit et ce qu'avait dit le Premier ministre, je crois que c'était dans le journal du dimanche, j'irai jusqu'au bout. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut changer tout dans la maison. La voix de la gauche, la voix de la droite, tout ça, c'est terminé. Excusez-moi, pardon. Vous êtes républicain. Je suis républicain. J'ai toujours respecté le président de la République. Oui, oui. Je souhaite que le président de la République réussisse. Bien sûr. Parce que sinon, je n'aimerais pas mon pays et je n'aurais pas mené tout le combat de ma vie pour essayer de le servir le mieux possible avec des erreurs, c'est certain. Et globalement, de tenir le choc. En particulier, je le dis ici, parce qu'il faut qu'on soit courageux, en face de cette grève SNCF, oui, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Moi, je crois aussi que c'est un peu ce qui était attendu de lui, tu le dis assez bien. Il a donné ce style depuis sa candidature à la présidentielle, ce style de fermeté. Il a dit si je suis élu, je serai le capitaine du navire, je veux réincarner les dorures de la République. On a vraiment eu le sentiment que ça allait être un président qui décide. Plusieurs fois, il a donné aussi un discours un petit peu lyrique, en disant libérer, protéger, unir. Il a voulu endosser la responsabilité de quelqu'un qui à la fois décide et qui a conscience aussi de cet enjeu national, de ce regroupement autour de sa personne. Et je crois que, pour le coup, il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui. En tout cas, il a fait ce qu'il a dit. Et même dans ce style-là, il l'a affirmé depuis le début. Et je le trouve assez fidèle, finalement, à son image, c'est-à-dire une image de fermeté, une image peut-être qui peut lui coûter aussi un petit peu, parce que d'ailleurs, quand on entendait les micros... c'est la première vague, quand même, d'opposition... Cette première vague, c'est le côté un peu autoritaire qui peut, maintenant, un petit peu lui coûter. Mais, en tout cas, il va au bout de ce qu'il a dit. Il tenait à avoir cette image de fermeté. Il l'a tenue jusqu'au bout, en tout cas, pendant toute l'interview d'hier. Même l'argumentation sur un CSG, pour notre ami... Les personnes âgées, les retraités, non, vraiment au travers. Ça, je vais vous dire, c'est profond. C'est pas du tout une réaction. C'est profond. Avec ce qu'il a dit hier, surtout de la dire, engagez-vous. Écoutez, dans ma ville, des retraités, il y aurait presque plus de vie associative s'il n'y avait pas les retraités. Ouais. Les jeunes retraités qui ne veulent pas, d'ailleurs, qui sont très heureux de donner encore après avoir donné... Oui, parce qu'ils sont actifs, en réalité. Et ça, la CSG, je peux vous dire que c'est... Ça passe mal. Ça passe mal. Oui, ça passe mal. Est-ce que, justement, alors on va revenir peut-être sur le retour. Est-ce qu'il n'y a pas un retour à l'autorité de l'État? On le voit avec, justement, la SNCF, mais on l'a vu avec l'évacuation de la Sorbonne. On le voit avec les zadistes. Est-ce que c'est... il semble comme ça, je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais que l'autorité de l'État avait peut-être été bafouée dans les années précédentes qu'elle serait peut-être de retour. Il est évident que, par exemple, j'imagine très mal Emmanuel Macron avec Leonarda. Je veux dire, je pense que lui aurait traité les choses de façon avec un petit peu plus de panache. Il y a des je pense qu'avec cette petite blague, tout est dit. C'est-à-dire que on a deux présidences qui sont totalement différentes. Et puis on parlera de François Hollande qui regrette l'épisode de Leonardo. Oui, c'est le minimum. Je pense qu'il ne peut pas faire moins que de regretter. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ce référendum, par exemple, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
demande et puis qui n'a été suivi d'aucun effet, on a eu l'impression quand même pendant des années qu'il y avait peut-être un relâchement de l'autorité de l'État, non ? Bon, je pense que oui. Si vous voulez, dès qu'il y avait une très grosse manifestation, on sentait que tout ça était réorganisé, même si ça se faisait dans notre dos. Moi, je crois qu'il veut aller jusqu'au bout. Et qu'il n'a pas terminé, parce que là, vous parlez de la réforme de la SNCF, il a les pensions et les retraites. Non, bon, il en a soupiré. Reste persuadé que c'est la stratégie des deux ans. Oui. Moi, la stratégie des deux ans, j'y crois, parce qu'on peut faire évoluer les choses, avec difficulté, mais on peut faire évoluer. Après, ce sera beaucoup plus difficile. Donc il le sait, et il va avancer dans ça, à dire, je restructure la maison, je remets en place la France et je repositionne la France vis-à-vis d'étrangers. Moi qui voyage énormément. Oui. Ah, écoutez, l'image de la France. Il le considère comme un leader. Oui, c'est ça, oui. On en avait parlé. Et il y a deux avantages à faire les choses vite. C'est qu'il y a la légitimité qui est encore forte. Et puis qu'on peut connaître peut-être les premiers résultats de la politique, parce que c'est long d'avoir des résultats de la politique avant éventuellement une réélection. Il y a quand même il compte dessus, hein. Ça c'est clair, c'est dans sa stratégie. Bon, je n'ai pas parlé avec lui, je parlais d'autre chose, mais pas de ça. Et je vais vous dire, je reste persuadé qu'il doit être dans la période où, parce que c'est un homme qui veut que les choses aillent vite, il voudrait bien commencer à voir des résultats apparaître de façon à pouvoir continuer cette ligne de réforme. C'est-à-dire 2% de croissance, c'est aussi un président c'est un président qui a un petit peu de chance aussi. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Non mais. Il y en a un autre, même si on peut critiquer. Vous montrez ça. Hein. Parce que c'est lui qui avait quand même mis sur la piste. Bien sûr. Ouais. On peut critiquer Hollande, a des effets Hollande dans ses résultats. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a une part de chance avec Macron. C'est un président chanceux pour l'instant. Même si la croissance est plutôt plus faible que le reste de l'euro. Alors, autorité, je le dis, attention, moi je le dis, hein. Oui. Attention, autorité et autoritarisme. Oui. Attention. C'est ça, oui. La limite est. La limite est ténue. Faible. Il ne faut pas qu'ils donnent l'impression. Oui, par exemple, les députés ont des feuilles pour savoir ce qu'ils ont à voter dans la journée. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et j'ai 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. On leur dit, vous ne voterez pas, vous ne faites pas ceci, vous faites ça. Ben oui, il faut quand même que le député ou le sénateur est une responsabilité personnelle. Personnelle. Oui, hein? Là, il y a un peu côté Godillot, quoi. Oui. Vous aviez une expérience très importante et beaucoup de vos confrères ou consoeurs avaient la même expérience. Alors que là, ce sont des nouveaux, ce sont des Béotiens. Voilà, c'est une constatation. C'est un peu, voilà. Vous ne voyez pas la critique. Non, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'eux, Nous devons faire une analyse pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Moi, je crois qu'il faut rajouter un petit point sur la discipline majoritaire que vous décrivez par rapport au groupe En Marche. C'est pas rassurant que parce que ce sont des nouveaux députés, on soit obligé de leur donner des ordres, des formes de consignes de vote, ou en tout cas des manières d'agir. On en a vu quelques-uns au début de la législature. Oui, mais justement, est-ce que... On avait envie qu'ils passent dans un bureau avant pour leur dire, voilà, il faut dire ça, voilà. Oui, mais c'est peut-être ça qui n'est pas rassurant, parce que est-ce qu'on choisit des jeunes députés pour les diriger, du coup, ça pourrait donner une mauvaise image du pouvoir, sachant qu'à mon avis, au Parlement, Emmanuel Macron est un peu en train, notamment avec sa réforme constitutionnelle, d'annoncer une forme d'autoritarisme plus que d'autorité, qui l'a peut-être un petit peu risqué, notamment par rapport aux droits du Parlement, et qui peut lui donner une mauvaise image. Contrairement à la réforme qu'avait fait Sarkozy, qui agrandissait les pouvoirs du Parlement, là, il est en train de rogner un petit peu tout ce qui a été gagné. Même pour les amendements. La communication n'est pas bonne, mais pour les amendements, c'est catastrophique de dire, moi, je vais organiser des amendements. C'est le propre de notre liberté. On va en faire moins. Nous avons été élus pour cela. Oui. Je pense que vous avez raison. Je pense qu'au niveau de la communication, c'est probablement pas des seigneurs. Il y a quand même encore des choses à. Et pourtant, il y a du monde, il y a des équipes, il y a des porte-paroles à droite, porte-paroles à gauche. On m'a donné des listes de communicants à côté du président, ou même seulement du président de l'Assemblée nationale. Ce sont des gens extrêmement compétents. Oui, mais... Alors parfois, je suis étonné parce que c'est pas important ce que vous émettez.
C'est la perception que les gens se font de ce que vous émettez. C'est d'ailleurs le plan de communication d'Emmanuel Macron qui avait dit quand il a été élu, j'expliquerai, je serai pédagogue et face à des contestations, je surveillerai toujours la communication. Attention peut-être à ne pas friser la ligne entre l'autorité et l'autoritarisme. Mais dans le groupe En Marche d'ailleurs, il y a quelques dissensions et quelques explications et ça ne se passe pas toujours aussi bien du fait qu'il y en a qui refusent d'avoir des... Oui, parce qu'ils viennent aussi de partis, il y en a qui viennent de gauche, il y en a qui viennent de droite. Oui, non, mais qui refusent de recevoir des ordres. Et qui s'entendent, voilà. Et qui entendent. Le week-end sur les marchés, et qui se promènent dans la rue et qui se font en guirlandais. Ouais. Bon, alors, il y a, d'ailleurs, pour le SNCF, j'ai appris qu'il y avait quand même un groupe, pas majoritaire, mais important, qui s'inquiète de l'évolution de la grève SNCF. D'élus En Marche. Oui, hein. Je parle En Marche. Et justement, alors, est-ce que ça... Parce qu'on est dans une configuration où on voit, il y a le pouvoir, il y a les syndicats, et on n'entend pas tellement les oppositions, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Est-ce que ce n'est pas un problème, quand même Là, vous venez en disant vers moi. Oui, vous. Il faut qu'on existe. Non, c'est vrai, ce n'est pas une bonne situation. Voilà quelque chose que je peux déclarer. Je lui ai dit, dans une discussion, nous, on votera tout ce que vous ferez de bien, les textes qui nous plairont, on essaiera de les améliorer ensemble, vous et nous, mais le reste, ce qui nous posera, on ne votera pas. Mmh. Et il y a toujours eu une majorité, une opposition. Alors, le mot opposition... Peut-être pas le bon mot, mais... On voit bien ce que ça veut dire. Pourquoi, voilà. Quand il fait bien, s'opposer. Oui. Et il y a l'intérêt du pays. Mais il ne m'a pas répondu. Mais je reconnais qu'il manque... On sent une faiblesse terrible. Le Parti Socialiste, je peux dire la même chose de mon parti. Les LR, et puis je peux continuer. Oui, c'est ça. Et puis on voit que dès que les insoumis ne sont pas d'accord, ils se lèvent, ils s'en vont. Donc la politique de la chaise vide, ce n'est pas non plus... Non, et puis ce n'est pas une vraie... Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un vide politique qui peut poser un problème. Pour la démocratie, parce que le fait qu'il y ait une opposition politique, ça permet justement d'apaiser des tensions, contrairement à ce qu'on peut croire. Il faut bien évidemment qu'il y ait une opposition, enfin, en tout cas que l'opposition se réveille et se structure et qu'elle apparaisse en tant que telle. Mais là, par exemple, sur ce que vous évoquiez sur le problème de la SNCF, on peut tout à fait comprendre qu'il n'y ait pas d'opposition, parce qu'a priori, tout le monde est d'accord pour cette réforme, enfin, sauf les cheminots. Mais je veux dire, quelle serait la part de l'opposition à aller critiquer cette réforme que tout le monde appelle... de ses voeux. C'est se renier, mais les Français en ont marre. Mais voilà, c'est pour ça que là, pour une fois, je trouve que certaine unanimité de la classe politique vis-à-vis du problème de la SNCF est plutôt agréable et peu optimiste. Je ne parlais pas de ça, mais je parlais de structurellement. C'est important qu'il y ait une bonne analyse, vous avez raison. Il n'y a pas grand monde. Oui, il n'y a pas grand monde. Et ça peut poser problème au pouvoir lui-même. Et c'est pour ça que je lui ai dit. Parce que je pense que c'est important que le président de la République sache. Alors, il faut que ce soit une opposition intelligente. Parce que les Français en ont marre aussi. On n'est pas pour lui, on est contre tout ce qu'il fait. Mais ça, c'est fini. Ce temps-là est terminé. C'est pour ça que moi, sur la réforme de la SNCF, je partage un peu l'avis de Jean-Charles. Je crois que tout de suite après le 13h, Jean-Luc Mélenchon y est allé de son tweet, chacun est allé être dans l'opposition systématique en disant de toute façon tout ce qu'il a dit n'est que du vent, on retrouve l'autoritarisme de ce président. Donc l'opposition politique est quand même là, malheureusement, pour son rôle de critique. Mais après, il faut bien distinguer opposition politique et finalement opposition syndicale et rôle de l'opinion. Là, politiquement, je ne suis pas sûre qu'il y avait forcément un rôle à jouer au niveau de l'opposition politique parce que finalement, ce texte de loi en tant que tel, si on doit parler techniquement, n'est pas particulièrement discuté ou n'a pas en tout cas de point d'accroche au niveau de l'opposition. Il ne faut pas avoir honte, il faut assumer. Je suis membre d'une famille qui n'est pas toujours facile à suivre. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais moi, je suis dans ma famille, je reste dans ma famille et j'essaie de faire évoluer ma famille dans la bonne direction. Voilà. Et la bonne direction, ce n'est pas l'opposition systématique au président de la République. Le président de la République a été élu.
Alors, il y a, parmi les conflits, il y a ceux des étudiants. Vous connaissez bien, hein, Charlène. Oui. Même si les vôtres sont en cours. Les miens sont assez pacifiques en ce moment. Je les salue. D'ailleurs, tout se passe bien à l'Université de Rouen. C'est vrai que, néanmoins, bon, on a aussi écho, quand même, de tout ce qui se passe assez mal autour de nous, notamment l'Université de Paris 1, dont je viens, et qui a été, voilà, pas mal de centres qui ont été cimentés. Oui, il y a même eu l'occupation avec, très des courte portes, de la Sorbonne. L'occupation des étudiants de la Sorbonne. Maintenant, c'est plus 10 ni 12, c'est 15 sur 20. Non, c'est 20 sur 20 ce matin. Même 20 sur 20. Ah, ça y est. Il y a un collectif d'enseignants, c'est ce qui est terrible. Bon, que les étudiants disent des conneries, on est habitué. C'est-à-dire, c'est presque. Oui, bon, on ne le dit pas. C'est des bons mots qui sont restés quand même. Voilà, c'est consubstantiel du statut, presque. Mais que des enseignants se joignent à eux pour dire on réclame une note politique de 20 sur 20 aux examens, enfin, c'est totalement aberrant. Je veux dire que cette bêtise ait pu sortir de l'enceinte universitaire pour aller jusqu'à nous, enfin, je trouve ça totalement aberrant. C'est nul. Dire non à la sélection, c'est bien, c'est bien ça pour le coup. C'est pour les pouvoirs en place, c'est toujours très ennuyeux les mouvements attention, de jeunes. Oui. Il y a un conseil au gouvernement, faites très attention à la jeunesse. Mm. Moi, je me suis occupé au moment du CPE des nuits et jours. Je peux dire, j'étais pas seul, mais j'étais dans la négociation avec ces jeunes, avec des jeunes talents aussi. J'ai rencontré des jeunes talents, même si j'étais pas d'accord. Absolument. Même si j'étais pas d'accord. Attention, bien formés, quand même, regardez bien du côté de la jeunesse. Mm. Si ça dérape, s'il y a un blessé, s'il y a. On se souvient de l'affaire Malik Ossédine. Je pense qu'il le fait, mais je regarderai sérieusement cette affaire pour qu'il n'y ait pas. En plus, ils sont en train de casser. Ils ont cassé cette nuit. Ils ont cassé le bureau international, je ne sais pas dans quelle université, mais le bureau des contacts internationaux est complètement cassé. C'est pas bon. Toutes les structures en règle générale en ressortent dégradées. Il y a des occupations. Alors, je crois néanmoins que peut-être la grève des à la. Peut-être pas forcément que par des étudiants. Je crois que la grève à la SNCF, elle est risquée, mais. Bon voilà, à partir du moment où le président... on a la CGT, on a des choses, on sait faire à peu près. Voilà. À partir du moment où le président a essayé de dire, voilà, je n'oppose pas les Français, je suis aussi du côté des cheminots, voilà, il y a une optique de conciliation qui peut se faire. C'est vrai que le mouvement étudiant est beaucoup plus risqué, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est mon avis. Notamment parce que finalement, on n'arrive jamais à connaître le début et la fin de ces revendications, parce que c'est né du nouvel algorithme Parcoursup, qui finalement reprend un petit peu les défauts de l'ancien algorithme qui était APB. C'est à peu près la même chose. Certains y voient une sélection. Moi, je ne suis même pas complètement sûre que ce soit l'objectif de cette nouvelle réforme. Mais bon, ça part de là et on ne sait pas jusqu'où ça va. Parce que finalement, certains se revendiquent aussi de la ZAD en disant, voilà, c'est un autre monde que nous voulons. On va très loin dans ces revendications. Voilà. Oui, et on a vu que voilà, le CPE... aller dans le débat législatif, c'est pas forcément beaucoup mieux, parce que finalement, bon, ça peut se solder par une vraie rupture avec l'opinion. Essayer de donner droit... Alors, il y a eu l'optique de Gaulle qui, en 68, a dissous l'Assemblée nationale pour essayer de donner une assise politique, finalement, à ce mouvement. Là, je crois pas que ça soit vraiment une contestation politique, donc je crois pas que ça serait utile, mais voilà, il faut pas perdre le contact avec cette population, en tout cas. Je crois qu'on a quand même aussi une jeunesse un peu coupée en deux, parce qu'il y a il me semble qu'il y a peu de choses en commun entre les quelques dizaines d'étudiants qui sont là à réclamer des 20 sur 20 des examens, qui sont là pour on ne sait pas trop pourquoi, et puis quand même heureusement toute une jeunesse qui travaille, qui a envie d'innover, qui fait des études dans des parcours peut-être plus nouveaux, plus intéressants, qui essaye d'innover, de faire plein de choses, et on a l'impression que c'est cette jeunesse-là n'a pas comme seul objectif d'avoir la sécurité de l'emploi à vie, son petit pavillon de banlieue, etc. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a une jeunesse qui est vraiment explosée. Donc je pense que les 3/5 de la jeunesse française sont tout à fait intelligents, passionnants, etc. Et que là, on a une vision complètement tronquée de la jeunesse qui n'est pas la jeunesse française, c'est pas ces gens-là. Oui, mais quand on lit la banderole pour le droit à l'éducation, dit non à la sélection.
Objectivement, avant la réforme, il y avait une sélection à l'université, bien c'est-à-dire que en décembre, au mois de décembre, voilà, au mois de décembre, la moitié des amphis étaient vidés, c'était, et voilà, et donc la sélection, elle existe depuis toujours. Enfin, moi, j'étais à la fac il y a fort longtemps, mais on voyait bien qu'il y avait une sélection parce que des gens se trompaient de filière. Et l'idée aujourd'hui, c'est justement de dire aux gens d'aller dans la bonne filière et pas de perdre leur temps à aller faire du droit. Ils n'auront pas de débouchés. Voilà, c'est ça. Ou ils n'auront pas de débouchés, ou ils y vont par défaut. Oui. Donc, je trouve que c'est... Il y avait de la sélection, et qu'aujourd'hui, au moins, les choses sont clairement dites. Il y a une sélection qui ne disait pas son nom. Mais il y en avait. Mais il y en avait. KPB, quand il n'y avait plus de place, tirait au sort. Ouais. Hein, donc, il y a toujours eu une sélection, mais qui était sur des critères absolument indéfinis. Et puis la sélection se fait aussi après la première année. Et puis la sélection année, se fait et continuera à se faire. Et l'université, c'est aussi... Voilà. Non, et puis de proposer une année de transition à un jeune pour le faire monter de niveau. Mais, enfin, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a toujours eu aussi des filières sélectives, c'est-à-dire la filière des IUT, par exemple, qui depuis le débute une filière sélective, ne rentre pas dans un IUT n'importe qui. Il y a des dossiers, le corps enseignant regarde les dossiers, on dit cela on prend pas, il a le niveau, il n'a pas le niveau, etc. Donc ça a toujours existé. Il ne me semble pas que les IUT soient un exemple même de la faillite de l'enseignement. Au contraire, c'est une filière qui marche extrêmement bien, qui délivre des diplômes vraiment intéressants. C'est un bac plus 2. Après, on peut continuer ses études, on peut s'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est un truc très bien. Et c'est sélectif depuis le début. Et puis on critique trop souvent l'université de ne pas savoir former, de ne pas savoir finalement ensuite mener à un avenir professionnel. Et ce sont les étudiants eux-mêmes qui se plaignent de ça, d'avoir un tronc commun trop général, de ne pas être finalement, de ne pas pouvoir faire autre chose, de ne pas pouvoir évoluer dans leur parcours. Donc là, c'est ce que Parcoursup leur propose. Je crois qu'ils ne savent pas forcément toujours l'origine de leur contestation, ni la fin. Voilà. Je crois qu'il y a on le sent d'ailleurs. Non, mais contester. Dans les interviews, les explications, le ressent. On ne sait pas très bien pourquoi on conteste, mais on conteste. Mais ça, ça a toujours été. Oui, mais enfin, les jeunes. Ça a toujours été comme ça. Nous l'avons été. Mais ce nom à la sélection, quand même, ça, c'est quand même très étonnant presque que ça reste encore un slogan, alors qu'on sait très bien que voilà, les étudiants n'ont pas envie de devenir des chômeurs, etc. Enfin, ils ont un emploi, donc ils savent très bien qu'il faut une sorte de sélection quand même. Enfin, c'est quand même un vestige, quoi, presque. Ah ben c'est vraiment un combat d'arrière-garde. Enfin, je veux dire, ce nom à la sélection, quand même. Hein, c'est... Et puis ça prouve que finalement... On voit où sont les réacs, en fait. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Les combats ne changent pas. Je pense que c'est bien qu'on le dise ici. Plus des 3/5 un travail. Ce matin, j'ai appris qu'ils étaient dans un restaurant qui est fermé et les profs sont venus pour préparer. Ce matin, pour pas rentrer, pour pas avoir d'histoire et pour préparer leurs examens. Donc c'est des jeunes qui veulent absolument s'en sortir, et par le haut, non pas par le bas. Je rajoute que, évidemment, il y a des étudiants qui travaillent, vous avez raison, c'est rassurant pour notre avenir à nous en tant qu'enseignants, et puis on a été une petite équipe aussi à essayer de continuer nos cours sur Facebook Live, et en essayant de tenter des techniques en enseignant de notre salon. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui ont fait ça en tout cas, et ça prouve aussi que voilà, pour ceux qui ont envie de faire, il y a toujours moyen d'apprendre et de continuer à en tout qu'à enseigner. Il y a des gens qui sont réceptifs, il y a des gens qui ont envie de travailler. Heureusement, on est quand même là pour eux. Et d'ailleurs, les votes qui ont eu lieu dans les universités sont plutôt contre la grève. Enfin, bien sûr. Alors, même s'ils sont contestés, si on dit que c'est des votes électroniques, donc, etc. Oui. Mais enfin, les votes qui ont eu lieu sont enfin, le vote électronique, quand il va de leur côté, c'est... Ouais, voilà, oui. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le résultat qui fait qu'on conteste ou pas. Qui fait la justesse du vote. Alors, autre mécontentement, celui de des gens de justice, des avocats notamment. Pour quelle raison, alors ? Alors, la raison générale et philosophique, c'est qu'il y a un ressenti... Alors, il y a des choses qui sont bien dans la réforme, mais dans ce qui ne va pas et dans ce qui choque, c'est qu'il y a un ressenti de la volonté de faire des économies sur le dos des justiciables, finalement, enfin, sur le... pas le dos des justiciables, mais sur le fait qu'ils seront moins bien traités, et de couper au maximum les relations entre les justiciables et les juges. Donc on a par exemple... C'est-à-dire se passer le plus possible du juge et des avocats aussi, du coup, non ? Se passer, oui, essayer de se passer même de la justice si possible. La justice, alors, voilà. D'abord, déjà, de général, si on pouvait supprimer la justice, ce serait quand même pas plus mal. Pourtant, et déjà, d'ailleurs, d'entrée de jeu, dans la réforme,
Ils imposent le fait qu'il faut, avant d'engager un recours, avoir affaire à un médiateur. Ce qui est une expérience au Canada qui fonctionne depuis très longtemps et qui fonctionne extrêmement bien parce que les médiateurs sont des médiateurs professionnels et qui essayent vraiment de faire de la médiation. Or là, ici, dans la réforme, c'est des médiateurs, c'est n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'exigence de qualification de médiateur. Et on peut faire... ça, c'est la chose qui m'étonne le plus, c'est qu'on peut faire de la médiation par Internet. Et en fait, la médiation par Internet, c'est d'interroger un médiateur qui est en réalité un algorithme, qui dit, je rentre les deux, chacun, les deux parties vont rentrer les données financières, enfin tout dépend du sujet, du dossier, mais rentrer les données financières, et le médiateur va dire, au vu de cela, si vous allez en justice, vous aurez tant, donc moi je vous conseille, dans le cadre de la médiation, tant. On dit, vous un bon accord qu'un mauvais procès. Un bon accord, c'est quand un accord est discuté. Ouais. Si on fait ça uniquement avec des algorithmes, personne ne discute avec personne. C'est qu'en fait, on traite des cas et on ne traite pas des gens. Mm-hmm. Donc, déjà, là, il y a un vrai problème sur cette histoire de médiation. Donc, il va falloir obligatoirement passer par ce stade-là, qui finalement, soit c'est une vraie médiation et ça sert à quelque chose, parce que là, du coup, ça peut effectivement purger avec des bons médiateurs, ça peut purger beaucoup de contentieux. Et puis ensuite, on a la suppression de tous les tribunaux d'instance de France qui vont être absorbés par les TGI, ce qui veut dire qu'on va avoir des déserts de justice dans... Paris et la banlieue parisienne, ça va aller, mais après, en province, ça risque d'être embêtant. Donc il n'y aura plus de justice de proximité du tout, alors que le tribunal d'instance gère quand même des dossiers qui sont des petits dossiers, mais c'est le quotidien. Ouais. C'est le quotidien des gens. Oui, mais est-ce que d'une façon générale, il n'y a pas trop de procès en France? On voit que les juges, en effet, sont totalement débordés, qu'ils ont des centaines et des centaines de dossiers à traiter. Oui, mais parce qu'il y a un déficit. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité quand même à trouver une alternative la saisine de la justice? Oui, mais quelle est la bonne alternative? Est-ce que l'alternative qui est choisie, c'est de couper et de faire en sorte que le justiciable ne rencontre plus le juge. Donc, déjà, en matière de divorce, alors quand on fait un divorce amiable, maintenant, on ne passe plus par le juge, puisque c'est deux avocats, un notaire, un coup de tampon, tout va bien. Mais quand on est sur un divorce pour faute, on passe par la justice, et d'abord, on passait par une audience de conciliation où un juge essayait d'entendre les parties, etc. C'est supprimé. Ça n'existe plus maintenant, ça. Donc on va directement sur le contentieux dur, qui va continuer à exister. Mais je trouve que c'est tout à fait dommage parce que le juge du tribunal d'instance avait un rôle extrêmement important dans la régulation et dans la proximité, parce que les gens, ils viennent seuls, ils viennent au tribunal d'instance, ils n'ont pas forcément un avocat. Les gens viennent seuls pour parler à leur juge. Et maintenant, ils ne parleront plus au juge. Ils vont faire des saisines. Alors, un truc qui est pas mal, c'est que pour saisir le TGI, avant, il y avait 5 modes de saisie. Maintenant, il n'y aura plus qu'un seul mode de saisine du TGI et qui se fera par Internet également. Donc ça ne se fera plus par voie d'assignation. Enfin, on fera des assignations, une sorte d'automatisation. Une automatisation. Et puis ensuite... C'est pas mieux que le fichier des cartes grises. Oui, c'est ça. Sinon, le justiciable... Parce qu'il n'arrive pas à avoir de cartes grises. Donc là, la critique principale est celle-ci. Ensuite, il y a une autre critique qui est faite. Ils vont créer des tribunaux criminels. Oui. C'est-à-dire que on va avoir des tribunaux criminels avec un président qui est professionnel, 4 assesseurs qui sont professionnels. Et plus de jury populaire. Plus de jury populaire pour juger les majeurs qui n'ont jamais été condamnés, donc qui ne sont pas en récidive et qui risquent jusqu'à 15 à 20 ans d'emprisonnement. Donc la cour d'assises. Jusqu'à 20 ans. Donc la cour d'assises va rester uniquement pour les meurtres, les assassinats ou les viols avec actes de barbarie, etc. Et ensuite, il y aura toujours appel devant la cour d'appel d'assises, de toute manière, dans les deux cas de figure. Oui, mais c'est toujours le même but, c'est de désengorger quand même C'est d'aller plus vite et de désengorger. C'est vrai, qu'il y a un problème de lenteur et d'engorgement Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces dernières années, on a eu tout un fil de réformes, avec notamment la suppression des justices, des tribunaux de proximité, tu l'as dit, des tribunaux d'instance maintenant, dans cette idée que finalement, il faudrait familiariser les Français à essayer d'aller moins en justice. Oui. C'est vrai qu'on a un réflexe contentieux très fort en France, et beaucoup trop de
d'argent qui est dépensé là-dedans. Alors, l'optique de la dette, elle est évidemment partout, dans toutes les administrations, dans tous les services publics, on essaye de faire des restrictions. Néanmoins, je partage l'avis de Florence sur la question, c'est que à partir du moment où on ne change pas le réflexe et que à partir du... les Français continueront à essayer d'aller en justice, supprimer des tribunaux n'est pas forcément la bonne réponse, dans le sens où, à partir du moment où vous en supprimez un, vous redonnez sa compétence à un autre qui lui-même va être encore quatre fois plus engorgé. Et on a déjà des tribunaux de grande instance qui sont absolument étouffés par les affaires qu'ils ont à traiter, qui vont courir à la faillite, hein, avec maintenant de nouveaux... Si on fait un parallèle, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais si on fait un parallèle, par exemple, avec la professionnalisation suite aux deux réformes de droit social, où finalement on a professionnalisé l'accès au Conseil des prud'hommes avec une requête motivée, des pièces, etc., il y a 40% de baisse du contentieux. Donc est-ce que finalement... Donc on peut y arriver plutôt en professionnalisant et en empêchant les gens d'aller pour un oui ou pour un non au tribunal. C'est-à-dire que là, ça n'empêchera pas les TI, on les supprime, donc il n'y a plus de contact direct, on va au TGI, mais ça n'empêchera pas, donc on pourra saisir le TGI comme on saisissait le TI, donc les gens pourront continuer à le faire. Alors que si on professionnalise... On n'a pas eu de changement intellectuel sur la manière d'agir. Il y a un problème de budget de la justice quand même. Non, moi je ne suis pas spécialiste, hein. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai appris des choses. Moi, il y a deux choses que je veux dire. Comment se fait-il qu'on n'ait pas fait cette réforme avec le métier, avec eux? Et c'est pour ça qu'on... Je tombe des branches. On a l'impression, Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention sur un fait. La société française est fracturée. Alors, je sais, tout le monde le dit. Moi, je vous dis, la société est fragile. On est en train aujourd'hui d'éloigner le maire avec toutes ces intercoms où on ne sait plus qui... Comme maire, le vendredi après-midi, il ne venait pas me demander une place en crèche, il ne venait pas me demander un passe-droit pour un logement, il venait me parler. Et simplement le fait que j'écoutais, j'étais bien réélu, comme dirait l'autre, parce qu'il m'aimait bien. Et moi je dis, attention, il ne faut pas tout mettre par terre. Alors peut-être que le président veut, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me contredire, veut réformer, mais attention de ne pas encore fragiliser la société française, et je dirais, alors, ne prenez pas mal ce que je vais dire, il y a des gens qui savent se défendre, on a quand même dans notre population des gens qui sont très éloignés de tout ça. Il faut être franc, il faut être franc. Et ce n'est pas abaissé, c'est une constatation. Et donc, ne mettons pas tout à feu et à sang. Et moi, si j'avais un conseil à donner, mais c'est mon avis, je suis quand même étonné de voir tout ce métier dans la rue. J'ai rencontré des avocats hier soir. Ce n'est pas des gens qui descendent forcément facilement dans la rue. Il y a une manif comme vous avez là. Mais ça se voit rarement. Mais là, c'est vrai qu'on a eu le projet de loi 8 jours avant que ça arrive. Il n'y a eu aucune concertation avec les avocats sur des sujets importants. Attention à la précipitation. Et ça, je ne comprends pas, parce qu'il n'est pas tombé dans ce travers sur les autres réformes, notamment les réformes de droit du travail. Il y avait nécessité quand même faire évoluer notre justice. Bien sûr. Oui, mais peut... pas par le bas. Pas par le bas. Parce que je discutais hier à Paris avec des avocats de Versailles, d'ailleurs, un ancien bâtonnier. Il est d'accord sur certaines, sur certaines réformes. Mais attention, la proximité du maire, la proximité du juge. Parce que c'était qui avant? C'était le directeur d'école, on lui met une claque si jamais il donne une mauvaise note à votre enfant. Bon, il y avait le curé, excusez-moi, même si le président a été voir la religion catholique, c'est fini. Il y avait le médecin, moi j'ai été malade quand je suis rentré d'un voyage. Il est resté 3 minutes et demie chez moi. Bon, c'est pas que je veux critiquer les médecins. Parce qu'ils sont venus déjà, c'est pas mal. Comment il est venu. Et moi, je défends cette proximité. Alors vous allez me dire, j'ai étudié ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau du Canada, il y a même d'autres choses au niveau de la drogue et compagnie qui vont tout à fait. Attention, la société française.
n'est pas la même, même si nous parlons la même langue. Elle est fragile, il faut l'écouter. Mais justement, la médiation permet d'écouter. L'objectif de la médiation. Je ne suis pas contre. Je dis simplement oui à une réforme, non à une réforme qui n'est pas faite avec les professeurs. Est-ce que ce n'est pas une limite des ministres qui viennent de la société civile? Je pense à Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Moi, je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas un problème de communication là encore. Parce que plusieurs fois, on a parlé ensemble de problèmes de communication sur des réformes, de concertation. Oui, mais dans la concertation, il s'est rarement raté. Oui, je comprends pas non plus, parce que même très souvent, il y a eu une... Oui, en plus, c'est pas des... C'était pas très compliqué, d'interroger le CNB, Conseil national des barreaux. C'est peut-être aussi des sujets qu'il ne maîtrise pas totalement. Il a peut-être fait aussi entièrement confiance à une partie de son équipe en disant, ça doit être un truc assez technique. De commander des rapports avant, d'essayer de concerter avec des populations intéressées. Il n'y a pas eu véritablement de rapport. Mais il y a quand même de bonnes choses, notamment que le travail d'intérêt général est inscrit maintenant comme une peine, alors qu'avant c'était un accessoire qui pouvait être utilisé. C'est bien ça. C'est vrai que tout le monde a conscience qu'il faut réformer la chose. Pourquoi ne pas en parler ensemble? Tout à l'heure, vous parlez, mais je ne veux pas juger les ministres, surtout pas. Le premier vient de ma famille. Oui. Mais attention entre théorie et pratique. Oui, absolument. Attention. La théorie, on fait un beau discours, vous dites formidable. Et puis, quand on l'applique, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de difficultés. De problèmes. Voilà. Et les politiques savent ça, peut-être. Écoutez, moi j'ai appris, La sagesse. Oui, j'étais comme les autres, mais la sagesse est venue tout au long de ces années. Oui, il y a un autre exemple aussi, par exemple, pour simplifier les choses sur les pensions alimentaires. Normalement, quand il y a un problème sur la pension alimentaire, on saisissait le juge. Maintenant, on saisit la CAF. La CAF, oui, absolument. Donc c'est la CAF, déjà qui n'est pas du tout encombrée. Déjà, c'est très facile d'avoir la CAF au téléphone quand on a un problème. Mais là, il va falloir saisir la CAF et c'est le président de la CAF qui va décider de la modification de la pension alimentaire. Enfin, c'est quand même un peu aberrant. On désengorge un autre organisme pour en engorger un autre, c'est un peu le qui est déjà engorgé. Un mot sur une des questions qui sera sans doute abordée dans l'interview sur BFM, c'est celui de la laïcité. Il y a eu ce discours devant les évêques de France où Emmanuel Macron a parlé de maltraitance au fond de la religion. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité ou pas? Certains l'ont jugé comme ça. J'attends la suite. Moi, je suis catholique, je le revendique, pas pratiquant, mais catholique. Oui, je pense qu'il y avait à revoir les choses vis-à-vis de cette religion. On parle beaucoup d'autres religions dans ce pays. Tout le temps, tous les jours, à chaque instant, de regarder. Mais d'un autre côté, moi, je suis catholique personnellement. J'ai été maire laïque, j'ai été sénateur laïque, j'ai été vice-président du Conseil général, c'était Conseil général à l'époque des Yvelines, laïque. Attention, quand vous avez... C'est, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez votre engagement personnel, ça regarde... Oui, c'est une chose. Mais d'un autre côté, la laïcité est quelque chose de très important. Dans l'équilibre global de la société, je le mets dedans. Attention à ne pas transgresser ce qui a été construit et qui est solide. Je suis 100% de votre avis, mais je rebondis sur un vos éléments de langage qu'on vous dites, mais on parle beaucoup des autres religions. On ne parle que des autres religions. Oui. Et je veux dire, toute la journée, on nous explique qu'il faut organiser l'islam de France, qu'il faut s'occuper des imams, qu'il faut s'occuper de leur formation, qu'il faut s'occuper des mosquées, qu'il faut s'occuper... Et ça ne choque personne, apparemment. Mais tout d'un coup, il y a un dîner du président de la République avec le Gotha de l'Église catholique. Et là, tout d'un coup, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Mais c'est monstrueux, c'est scandaleux, etc. Il n'y avait rien de choquant. C'est vrai qu'il y a un lien à établir. Ou alors, on ne parle plus jamais de l'islam nulle part, et à ce moment-là, arrêtons de parler des catholiques, très bien, mais on ne va pas non plus... Non, mais il est visiblement... Il accorde de l'importance, semble-t-il, aux racines chrétiennes de la France. C'est une réalité, dont personne ne voulait parler. On avait peur de parler jusqu'à présent. Nous venons de là. Mais tout le monde avait peur de le dire. C'est bien. Regardez la Constitution européenne. Moi, je ne suis pas contre que le président fasse ça. Alors maintenant,
j'appelle à, quand même. Pour BFM, je serai pas là, donc BFM, dans le pays où je serai, j'aurai du mal à le toucher. J'appelle à ce qu'il revienne sur ce qu'on est en train de dire. Il était normal de. Je pense que la main tendue qu'il a donnée est positive. Bon, maintenant, il faut bien qu'il nous explique que dans ses responsabilités à la tête de notre pays, il doit être laïque. Il doit respecter tout ça. Parce qu'on a parlé des cathos, mais on pourrait parler aussi des protestants et de tout ce que vous voulez. Bon, voilà. J'appelle à... J'avais dit tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, Europe, et puis aussi... qu'il vienne. Alors l'Europe... vraiment trop le temps d'en parler, mais c'est vrai. Pardon, oui, je voudrais dire juste une chose. Je pense que quand il dit que l'État peut entendre des choses qui viennent de l'Église, ça n'a rien de choquant, et c'est pas contre la laïcité. Ça ne veut pas dire, parce que tout le monde a dit, mais c'est la remise en cause du mariage pour tous. Il dit, on peut, pas du tout, l'État peut entendre. Ça existe, simplement personne. Écoutez, ça existe, voilà, c'est une religion extrêmement importante dans le pays. Mais là où il a peut-être franchi une toute petite ligne, c'est quand il a dit que les chrétiens doivent s'engager. Or, l'État ne doit pas imposer quelque chose à l'Église, et l'Église ne doit pas imposer quelque chose à l'État. Il devait, enfin, à mon avis, c'est là où il a peut-être franchi la ligne sur le problème de laïcité, quand il dit les chrétiens doivent s'engager. Moi, je crois qu'il a un peu franchi la ligne, à mon sens, notamment par rapport à sa posture. Vous avez parlé de l'ordre républicain qui est important à maintenir, surtout dans ces périodes. On a parlé dans notre dernier PAF d'antisémitisme, de problèmes avec les fichiers S, etc. Donc, on est dans des... pas des guerres de religion, mais on est quand même dans des guerres de groupuscules qui sont en train de se faire beaucoup de mal. Et je crois qu'il y a... voilà, on est quand même... C'est pour ça que tu dis qu'on parle beaucoup de l'islam de France. Je pense qu'on en parle parce qu'on a des problèmes avec ce type de religion et de formation qu'on n'a pas forcément avec l'Église catholique. Donc pourquoi parler de là où on n'a pas de problème, là où on a des problèmes avec d'autres religions? Et je crois aussi que ce qu'il faut afficher, c'est un message d'unité pour justement ne pas monter les religions les unes contre les autres. Alors, n'en soutenir aucune, c'est le postulat de la laïcité, justement, pour essayer de faire que les religions s'harmonisent entre elles, en donnant une main tendue à une religion qui, c'est vrai, n'a pas été sous les spotlights ces derniers temps, c'est une bonne chose, mais il a peut-être été un petit peu trop loin dans la main tendue, notamment en disant les rapports entre l'Église et l'État ne sont pas ceux que je souhaiterais, ou etc. Je crois qu'il doit, il avait refusé notamment de s'approcher du cercueil de Johnny en faisant un signe de croix pour essayer d'éviter d'afficher cette posture. Je crois là... Il a même demandé à sa femme de ne pas le faire. Qu'elle l'a fait. Et donc, vous voyez, là, je trouve qu'il a un petit peu franchi sa ligne rouge, ce sur quoi, à mon avis, connaissant un peu le tollé que ça a fait sur dimanche, il reviendra. Mais il y a eu une forme de dépassement, à mon sens, enfin, de son rôle de notre... Alors, parlons de l'ancien président qui publie donc les leçons du pouvoir. Alors, on va aborder tout le livre, mais est-ce que comme ça, vous pensez que c'est un président qui... On voit bien, il a même du mal à défendre son bilan aujourd'hui, mais est-ce que, pour vous, c'est un président qu'on a un peu mésestimé? Est-ce que finalement, l'histoire va pas lui rendre un peu justice? Moi, j'ai beaucoup voyagé avec lui, c'est un homme charmant, qui vous écoute, qui vous respecte. Son bilan est quand même... Faut garder les choses. Bah bon. D'ailleurs, on s'aperçoit, avec Macron au pouvoir, son bilan est quand même pas formidable. Ses histoires personnelles de... Moi qui défends la femme, j'ai été... Voilà un exemple. Moi qui défends la femme, de faire un communiqué pour dire qu'on renvoie la compagne, c'est quelque chose qui... Deuxièmement, il a fait un livre qui est... absolument normal, pas celui-ci. Le président ne devrait pas dire ça. Et effectivement, ne devrait pas dire ça. Il était subjugué par les journalistes, mais subjugué. Il adorait déjeuner avec eux. Pour le livre... Oui, il a voulu de la transparence. Mais je pense qu'il ne faut pas tout rayer, parce que c'est facile en France. On passe au suivant. Mais quand on voit ce que le président actuel souhaite faire, on s'aperçoit quand même beaucoup de faiblesses, et je dirais même un manque de courage sur certains dossiers que je pourrais donner les uns après les autres. Moi, je regardais les choses. Il voulait être...
consensuel, comme au Parti Socialiste, de trouver la synthèse. Vous voulez réconcilier tout le monde tout le temps. Et quand on réconcilie tout le monde... Car moi, je respecte aussi l'ancien président... J'en dirai pas plus. Non, je pense, moi, qu'il a perdu les deux premières années à vouloir concilier tout le monde. Et donc, du coup, ça a entraîné un manque de clarté dans la politique qui a été menée. Et on a pensé qu'il y a eu un tournant après, quand il y a eu le pacte de responsabilité, alors que s'il l'avait annoncé d'emblée... les choses auraient sans doute été plus claires. Oui, mais il y a des choses qu'il a pu, par exemple, que Emmanuel Macron a poursuivi, notamment en matière de droit du travail, parce que déjà, François Hollande avait fait beaucoup, puisqu'on a eu la loi Rebsamen qui multipliait les possibilités. La loi El Khomri qui est mal passée, parce qu'il n'y a pas eu de concertation du tout, et alors qu'on retrouve maintenant la loi travail, puisque maintenant c'est une loi, on retrouve l'esprit de ce qui a été fait sous François Hollande. Puis il y a eu le CICE, il y a eu des choses, on ne peut pas tout mettre à la poubelle. J'ajouterais aussi qu'en tant qu'homme, ou en tout cas par rapport à la... On a parlé d'un président chanceux quand on a parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Je pense qu'on peut parler d'un président malchanceux pour qualifier François Hollande. Sur la météo, en tout cas. Sur la météo, notamment. Mais pas seulement. Il a quand même connu des frondeurs dans sa propre majorité. Il le dit lui-même, le climat a décidément marqué mon quinquennat. Voilà. il raconte en effet de son premier voyage où il va voir Merkel le jour de son investiture. Il est frappé par la foudre. Et ses lunettes trempées d'eau. Il n'y a pas un type qui va... Il avait été là dans la minute. Il y avait un parapluie, je trouvais un parapluie. Ce n'est pas une honte. Il est là et il dégouline. À l'île de Sein, c'était terrible. On en parlait tout à l'heure de l'affaire Leonarda, où même l'image de la France, l'image de la fonction présidentielle, on a pris un coup terrible. Et Emmanuel Macron l'a redressé très vite. C'est vrai, parce que ça ne fait pas longtemps qu'il est là. Bon, donc... Tout n'est pas rejeté. On va terminer sur une parole quand même qui n'est pas totalement négative. On n'ira pas jusqu'à le regretter. En tout cas, le livre est, quand on veut comprendre ce qu'est le pouvoir, et peut-être la solitude du pouvoir, parce qu'il parle beaucoup de sa solitude, le livre est passionnant à lire. Ça s'appelle donc « Les leçons du pouvoir », c'est chez Stock et c'est de François Hollande. Merci infiniment Alain Gournac, je crois que vous allez faire un long voyage. Si vous voulez nous en parler quand vous reviendrez, ça sera avec grand plaisir. Je pars en Iran, je vais plutôt visiter la Perse d'ailleurs. Oui. J'avais 19 ans, 20 ans, c'était vraiment un coin du monde qui m'intéressait et je réalise ça avec mon épouse et des amis et j'en suis très heureux. Mais je suis très heureux aussi d'avoir été invité. Mais c'est bon voyage. Parce que c'est un pays passionnant, si vous voulez bien nous en parler. Si vous m'invitez, je vous invite. Merci beaucoup Alain Gournac, merci beaucoup Anne-Charlène Bézina, Françoise Mercadet et Florence Mercadet, pardon. Oui. Je me disais bien qu'il y avait un deuxième prénom. Non, même pas. Florence Mercadet, pardon, et Jean-Charles Lajoie. À très vite pour un nouveau PAF.